Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est reparti pour une nouvelle deck tech, avec cette fois, finalement comme d'habitude, hein, une deck tech un petit peu spéciale, je dis ça à chaque fois depuis un petit moment. Et bah du coup c'est encore une deck tech spéciale parce que là nous avons le vainqueur du Relic Fest de début novembre 2022, précisons-le, qui est venu avec un général que je pense que personne ne s'attendait à voir, qui a été jusqu'au bout. Et cette personne, je vais bien sûr parler de Alexandre Habert. Bonjour à toi Alexandre. Voilà, je m'appelle Alexandre, j'habite à Toulouse, j'ai 20 ans que je joue à Magic. J'ai énormément joué avec mon meilleur ami à l'époque, au tout début du format en fait, quand on était encore en 30 points de vie, qu'il n'y avait pas encore eu d'édition spéciale Commander éditée par Wizard. Après je me suis un peu plus consacré au format traditionnel de Magic, donc tout ce qui était tournant en limité, en standard. J'ai énormément grindé les GP. Les GP en Europe, j'en ai fait un bon paquet, j'ai eu quelques bons résultats. 3 top 8, 2 en construit et 1 en limité. Et après, j'ai fait 6 ou 7 pro tours. Je n'avais pas encore le bon niveau pour percer plus, mais c'était quand même de très bonnes expériences. Et j'ai 2 bons amis qui m'ont convaincu à me remettre au commandeur, en fait, au duel. Il y avait pas mal de nouvelles cartes, pas mal de nouvelles stratégies. Et du coup, je m'y suis filé. Et, ça s'est bien, bien passé. Jusqu'à présent, moi j'ai fait quelques tournois et bien plus récemment du coup j'ai gagné le Relic Fest numéro 2. Moi je suis super content de t'avoir eu enfin parce que c'était la croix et la bannière de te trouver et d'entrer en contact avec toi parce que j'ai dû passer par 2-3 personnes. Je remercie au passage donc toutes ces personnes que sont Théo, Charles et Elliot Dragon qui a été la personne que j'ai harcelé littéralement pendant quelques jours pour t'avoir. Je ne fais pas durer plus le suspense, je vais te laisser un petit peu parler maintenant. Bah alors aujourd'hui, je suis venu avec Léovold, qui est un vieux général du format, qui est plus trop beaucoup joué, que j'apprécie énormément. Un 3-3 pour 3 mana, donc un vert, un noir, un bleu. C'est un elfe et conseiller qui a 2 pouvoirs statiques qui sont très puissants dans une game de Magic. Pour la petite histoire, donc pourquoi ce général-là en particulier donc au tout début, les amis avec qui je testais m'ont prêté un deck pour un tournoi. C'était Isamaru, mono blanc. Je me retrouvais pas vraiment dans le deck. Et en fait, j'avais eu joué Léovold en Legacy, en Vintage, sur Magic Online. Je crois que naturellement, quand j'ai voulu remonter un deck, c'est le premier deck que j'ai monté, quoi. J'ai pris une liste sur Internet. Après, moi, j'ai toujours été un joueur de stratégie un peu rock, c'est-à-dire des noirs-verts avec des cartes de discard, des créatures pas chères, Tarmogoy, Fepture, Confident. Les listes que j'avais trouvées sur Internet fitaient pas mal à cette description. J'ai commencé à le jouer et à commencer l'optimisation pour arriver à la liste d'aujourd'hui. Et bah du coup, je te propose qu'on attaque justement la constitution du deck. Toi, tu l'as construit comment, du coup, ce Léovold ? Mon deck, tel que je l'ai construit aujourd'hui, ça va être un deck bleu-noir contrôle. Avec un léger splash vert. Voilà, c'est 5 cartes qui sont très efficaces, plusieurs fonctions. Mais la majeure partie du deck, ça va être un deck contrôle bleu et noir, avec énormément de permissions. Sur les premières listes que j'avais netlistées, l'interaction la plus forte dont je m'étais rendu compte, c'était de jouer un Time Twister Effect. Là, la carte en question, ça va être Anéantissement du Jour. Chaque joueur mélange sa main et son cimetière à sa bibliothèque, et chaque joueur pioche cette carte. Sauf que, avec Léovold, notre adversaire ne peut pas piocher plus d'une carte par tour. Donc, en gros, il va perdre sa main, perdre son cimetière, piocher une carte. Et nous, on va piocher 7 cartes, du coup. C'est une interaction qui était la plus forte du deck que j'ai trouvé. Et c'est pareil, ça permettait de renverser des parties, des fois, qui étaient hyper mal engagées, où on était derrière en ressources. Donc, pour l'effet Time Twister, donc on a Anéantissement du Jour et Rendement décroissant. Et on combine un de ces deux effets avec des effets donc, qui empêchent les adversaires de piocher. On a Perceur de coque, qui fait la même chose, soit que notre adversaire ne pioche 0 carte, et à la place on fait des trésors. Narset, l'arpenteur, Sheoldred, elle n'empêche pas notre adversaire de piocher, mais par contre, chaque fois qu'il va piocher, il va perdre 2 points de vie. Donc ça peut vraiment amener à des one-shots. Donc ça, c'est pour l'aspect combo du deck. Et après, en gros, tout le reste va être des cartes qui vont m'amener vers une situation où je peux faire cette combo. En général, il va sans doute piocher un mix de land et de créatures et de sorts inutiles. Bah en fait, on va juste prendre un total contrôle de la partie et normalement, il s'en sortira jamais. Précepteur diabolique, pacte souillé, ça va être les meilleurs tutors du format. Ensuite, nous avons des cantrips. Nous avons remue-ménage, prédestination, contemplation, qui sont les 3 de base présents dans tous les decks bleus du format. Sonji taxienne et regard furtif. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas d'interaction en face. Donc avoir l'information de sa main, c'est hyper important. Donc c'est là que rentrent aussi en considération les cartes de discard. Et nous avons aussi une créature, la Clique Vendilion, qui permet de
sortir une interaction de la main de notre adversaire. Après, pour finir avec les cantrips, deux cartes en plus, qui sont indulgence souillée, s'agripper à la poussière. Ça, c'est vraiment pas mal d'avoir cette capacité-là sur une carte comme ça, hein, parce que du coup, ça date vraiment à la situation dans laquelle on est, et peut vraiment nous sortir d'un mauvais pas en gagnant plusieurs points de vie d'affilée, ou contre les decks contrôle, de piocher plusieurs fois une carte gratuitement, sans que ça nous coûte de cartes de notre main. Nous avons toute une flopée de contre-sorts. Nous avons Chiquenote de force, Perce-sort, Faux pas mental, Collé à sort et Emporté. En gros, quand j'ai voulu monter la liste, je me suis basé sur deux phrases qu'on m'a dit un jour. Le commandeur, c'était un format éternel. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de cartes sélection, des curves très très basses. La deuxième phrase qu'on m'a dit, c'était à Toulouse, le metagame est beaucoup de decks bleus. Des Denis, des Gerson, des Tivit, des Niv-Mizzet. J'ai pas mal axé le choix de mes cartes pour être fort contre les decks contrôle. On l'a toujours dans la curve 1, du coup, on a Asphyxie. Et après, on a Voile de l'été, qui est un mini commandement critique pour un mana vert, qui peut permettre de résoudre ses sorts en toute impunité et de contrer des removals noirs. Dans la curve à 2, nous avons tous les contresorts du format, les meilleurs, ceux qui sont joués, Trou de mémoire, Déconcentration, Fuite de mana, Déférence, Contresort, Erreur de calcul, Hébétude, Nœud logique, Fin du compte et Drone in the Lock. Ensuite, dans la curve à 3, donc on a Charme de l'Archimage, dans Force of Négation, Dispute Mystique, donc là qui rejoint la stratégie de le metagame est beaucoup bleu sur Toulouse, et c'est une très bonne carte contre les jeux bleus qui permet de quasiment tout contrer pour un mana. Donc c'est très fort dans ces match-up-là, et au pire, c'est juste une mana leak un peu trop chère. Après, dans les sorts plus chers, les contres plus chers, nous avons Cryptic Command, Mystique Confluence, Force of Will et Misdirection, que je ne vois pas énormément dans les autres decks, qui s'apparence à un contre-sort. Genre, quand on joue une de nos cartes clés, l'adversaire va vouloir contre-carrer. Et du coup, on peut faire Misdirection gratuitement pour changer la cible de son contre-sort sur Misdirection, ce qui permettra de résoudre notre sort. Quand l'adversaire joue ses removals sur nos cartes, ben on peut juste dire, bah non, en fait, tu targetes mon Léovold, ben, trigger, je vais piocher une carte, Misdirection, en fait, je vais tuer ta bête. Et du coup, on reprend le tempo de la partie comme ça aussi, en ayant notre général sur le board. C'est une carte un peu sous-estimé, je trouve, mais qui a toute sa place dans tous les decks bleus, quasiment, je pense. Pour la gestion, donc on a toute la base de contre, et on a aussi un bon package de removal. On va pas réussir à tout contrer, et on va pas avoir d'autre choix que de les détruire. On joue tous les meilleurs removals du format, et de préférence, ceux qui ont une bonne versatilité. Donc là, on a Poussée Fatale, on a Ripa Immortel, qui est un des meilleurs anti-bêtes, vu qu'il est gratuit quand on a notre général sur le board. Dislocation, qui coûtera souvent un mana. Soif du chef de sang et Éliminé, qui sont deux sorts qui touchent les créatures et les arpenteurs. Nous avons deux Wrath Effect, Damnation et Toxic Déluge. Et ensuite, nous avons deux cartes noires-vertes, que sont Décomposition Abrupte et Trophée de l'Assassin. Ça, c'est les anti-permanents par excellence. Ça, c'est tout notre package de removal. Ensuite, au niveau des créatures, donc en plus des créatures à combo que sont Sheoldred et Perceur de Coq, c'est la crème de la crème des créatures, des decks contrôle, quoi. Ce sont des créatures qui ont plusieurs utilités, qui font souvent piocher des cartes. On a le Chaman Rite Mort, Mage Lance Vif, le Déchiqueteur de Registre, Strix Sinistre, donc pareil, c'est un removal sur patte, Click Vendilion, qui est combo avec Léovold, car si on la joue pendant le tour de l'adversaire, on résout l'effet, il perd une carte de sa main, il pioche une carte, et derrière, il ne peut plus piocher du tour. Donc à l'entretien, bah, du coup, il va sauter sa phase de pioche. Et après, on a Tassigur le Croc Doré, qui est un 4-5 pour un seul mana noir, vu qu'il a la fouille. C'est un bon body qui fait de la value sur le long terme, qui est bon contre aggro et contre contrôle. C'était vraiment un point important. Je voulais avoir des cartes qui avaient des bons effets à tous les stages de la partie et contre tout style de deck. Et après, pour finir, Jace, le Sculpteur d'Esprit, et Oko, Voleur de Couronne. C'est des staples de tous les decks bleu, bleu, vert. Enfin, tous les decks qui jouent ces couleurs-là, en général, les jouent. Et voilà, c'est des multiples effets qui permettent de... autant de faire de la value que de gérer des solutions que de retourner des parties. Et après, une dernière carte, c'est Reanimate, qui permet des séquences, bonnes séquences de temps en temps. Notre adversaire joue des cartes pour enterrer vivant ou d'autres cartes qui mettent des créatures dans le cimetière, on peut les réanimer à ce moment-là, ou faire une saisie des pensées sur une grosse créature, la réanimer le tour d'après. Enfin, y a plein de plays qui peuvent être très sympathiques à faire avec. Nous avons la base de mana. Pour ce deck-là, donc c'est un deck qui est très lourd en mana coloré.
et surtout en mana bleu. Donc du coup, je voulais un maximum de terrain qui produisent du bleu. En gros, au Relic Fest 1, j'avais pas tout à fait la même base de mana, soit les Fastlands ou les Checklands. Je jouais souvent le trio, donc le bleu-vert, le bleu-noir et le noir-vert. En fait, je me suis rendu compte que tous les lands noir-vert, c'était une plaie pour le deck, hein, parce que je pouvais pas caster tous mes spells. Et du coup, ça m'a coûté énormément de game. Hormis Tombeau Luxuriant et Bayou, qui sont les deux seuls lands qui produisent du noir-vert et pas de bleu, mais qui sont fetchables par tout le reste. Du coup, la base de mana est assez facile, c'est 10 fetchlands. Il y a 6 bilans en tout, plus le trium. Et après, il n'y a que des landes qui produisent du bleu et qui arrivent d'étaper le plus souvent possible. Donc à ça, viennent s'ajouter 8 landes utilitaires. Le trio de landes Kamigawa, Otawara, Takenuma et Boseiju. 2 manlandes, la fosse à goudron rampante et la halle des géants des tempêtes. Car ça fait des bons kills alternatifs des fois. C'est des inclusions nécessaires et utiles. Ensuite, nous avons le château Ventress. Le deck tel qu'il est, il y a à peu près sur les 60 cartes jouables, il y a 40 cartes que je peux jouer en éphémère. Donc du coup, je suis très très réactif. Il y a souvent des tours où notre adversaire ne va rien jouer par peur de se faire contrer. Du coup, ça peut être bien de dépenser sa mana à la fin de ce tour-là pour pas la gâcher, quoi. Les deux derniers terrains qui sont Colisée Céphalide, Gaia Reach Sanitarium. Des terrains qui sont des combos avec les Léovold. Donc même si c'est un terrain qui produit de l'incolore dans un deck tricolore, très gourmand en mana coloré, la combo est juste tellement forte que ça mérite un peu le sacrifice de build, quoi. Donc voilà pour le tour du deck et un peu toutes les utilités des cartes les unes par rapport aux autres, et l'ensemble général. Du coup, tu as dit, hein, Léovold, c'est un général qu'on connaît depuis un petit moment, il y a des listes qui existent déjà. T'as parlé de Tarmogriff, par exemple, que tu n'aimes pas et que bah, parce que ça fait pas grand chose, c'est juste une bête sans capa qui grossit. Mais il y a d'autres cartes qui existent quand même en duel, qui sont jouées dans d'autres listes Léovol évidemment, et dans d'autres listes qui jouent ces couleurs-là. Je veux bien que tu éclaires ma lanterne, en tout cas sur ces choix. Ouais, ça marche. Le beau droit de Gurmag, c'est quand même bien, non, dans les jeux contrôle? Alors oui, alors, je l'ai considéré. Je me suis rendu compte qu'en faisant des time twisters, souvent on repiochait des mauvaises cartes. Genre beaucoup de fetchland ou des sorts qui étaient bien en début de partie mais qui n'avaient plus d'utilité. Je voulais mettre un maximum de sorts avec la fouille dans mon deck qui aurait permis justement d'exiler toutes ces mauvaises cartes à repiocher. J'avais aussi considéré Régent de Sombre Marais. La chose, c'est que c'est des cartes qui ont qu'un seul angle d'attaque, en fait, c'est les dégâts. Et en plus, tous les decks ont tous les meilleurs removals de Magic jamais imprimés. Donc juste un gros body, en fait, ça fait pas assez le taf, quoi. Le Némésis de l'Identité ? Alors oui, c'est une bonne carte aussi, tout à fait. C'est un peu le même problème que les autres, c'est que même si la protection contre tout, il y a quand même beaucoup de cartes qui le gèrent, quoi. Il y a beaucoup de Sacrifice Effect aussi dans le format. Eddie Diabolique, Fureur d'Angrat, Kaya's Guile. Et en plus, je ne voulais pas avoir de cartes qui m'oblige à me mettre full tap très tôt dans la partie, quoi. Le tournoi ne fitait pas trop dans cette stratégie, quoi. Mais pareil, ça a été un des derniers cuts juste avant le tournoi, quoi. Subtilité et Venser. Venser, c'était un peu cher en mana. L'effet est très bien, mais puis hyper versatile parce que ça touche vraiment tous les permanents et tous les spells. La curve du deck est vraiment très très basse. Venser, il fitait pas trop dans cette catégorie. Et Subtilité, lui, j'ai longtemps joué par contre. Mais le problème, c'est que déjà, je me suis rendu compte qu'il n'aidait pas à passer la combo. Vu que ça compterait que les créatures et les arpenteurs, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais dans mon deck. J'ai noté aussi que tu joues pas opposition agent. Oui, c'est vrai que ça faisait la bonne combinaison avec Perceur de Coq en tant que 3 de flash pour 3 mana qui peut vraiment faire des grosses empalades chez notre adversaire. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à empaler quelqu'un avec. J'ai jamais réussi à le caster en réponse à un tutor. J'ai jamais réussi à le caster en réponse à un fetch. Et ça a souvent été un 3 de flash pour 3 mana qui bloque, qui fait pas grand chose. Donc au final, j'ai décidé de la cuter tout simplement. Une créature, mais qui n'en est pas une. Grist. Grist, c'est fort, Grist. Très très fort. Le truc, c'est que bah, déjà, l'ulti va pas m'être très utile. Après, le fait de me meuler à tous les tours, ça peut servir pour certaines cartes. Le truc, c'est que j'ai pas assez de cartes pour la défendre, je pense. C'est une carte que j'ai considérée, mais les capacités n'étaient pas assez synergiques avec le reste de mon deck. S'il y avait des cartes à modifier, Gris, c'est un des contenders en première ligne pour rentrer dans le deck. Fait ou fiction ? T'aimes pas ça, le piocher en éphémère ? Alors, j'adore piocher en éphémère. J'ai déjà pas mal de cartes qui ont pioché. Après, en pure value, ma value, en fait, je la ferai avec mes Time Twister. Je m'en fiche un peu de piocher des cartes en quantité, mais je préfère avoir de la qualité. Puis 4 mana en éphémère, je l'avais joué au Relic Fest numéro 1.
Et souvent, j'ai trouvé ça compliqué à caster, pas forcément dans le tempo, un peu plus compliqué que prévu. Beaucoup de listes pack l'enclume du Beauxgarden. Tu l'as pas mis dedans parce que c'est un artefact, c'est en rituel. Comme la boîte à puzzle de Teferi, deux artefacts qui ont un peu le même effet, qui combattent bien avec Léovold. Je sais pas, ça m'a pas paru transcendant. En fait, si on n'a pas Léovold sur le board, ça avantageait également l'adversaire. Quoi. Après, c'est quelque chose de très visible, c'est un artefact. Tous les decks ont des moyens de gérer les artefacts. Tous les decks ont des réponses à ça. Donc non, là j'ai été assez déçu des cartes. Et même, c'est vrai que si on dirait que la carte est écrite pour rentrer dans le deck, ça m'a paru une nécessité. Donc du coup, je les ai juste enlevés. Quoi. C'est vraiment que des spells et pour avoir un bon effet de surprise aussi. Bah écoute, je pense qu'il y a évidemment plein d'autres cartes très intéressantes à mettre dans le deck. Mais en tout cas, j'ai relevé que cela, donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à proposer des cartes. Il se fera un plaisir évidemment de répondre en commentaire de la vidéo. Si tu veux bien maintenant, on peut attaquer la partie de la place dans la méta. Toi, tu le considères comment, Léovold, dans la méta? Alors Léovold, moi je le considère, c'est pas comme un des premiers contenders, c'est sûr. C'est plutôt un deck de tiers 2, bas de tiers 2. C'est un deck qui est très bien positionné contre tous les decks bleus, tous les decks qui veulent piocher des cartes. Il est vraiment très fort contre ce genre de stratégie. En fait, tous les decks qui ont des généraux qui vont piocher des cartes, quand la méta est agressive, je pense que le deck va avoir énormément de mal. Surtout cette version-là où il y a beaucoup plus de contre et moins de removal. Et après, contre les decks combo, normalement on n'est pas trop mal non plus. Suivant la méta dans laquelle quelqu'un ramène ce Léovold, c'est quoi les match-ups positifs et négatifs de ce deck? On va commencer par le positif. Typiquement, le meilleur match-up du deck, c'est Cities. Ça, c'est quasiment ingagnable pour le côté Cities, de par le fait qu'il va juste jamais piocher. Donc, du coup, ça lock complètement son deck. Niv-Mizzet va avoir extrêmement de mal aussi. Il faut arriver en jeu, Léovold va l'empêcher de faire de la value. Et en plus, si on voulait le gérer, ça va faire de la value de notre côté. Nous, on a énormément d'interactions. En fait, on va juste contrer tous leurs spells importants et au final, ils vont se retrouver à pas faire grand-chose, à part aligner des terrains. Donc ça va être les match-ups assez positifs. Tout ce qui est TV, Tanimatu, les decks de Nick. Après, dans les match-ups compliqués, les decks hyper agressifs, Yoshimaru, Partner, Boros Agro, qui ont des curves hyper basses, ça va être assez compliqué. On est complètement hors tempo, et ça c'est assez dur. Les Karizev, c'est compliqué aussi, bah, pareil pour les mêmes raisons. Et après, un des match-ups compliqués aussi, c'est Grist. En gros, pour avoir pas mal testé, si Grist touche le board tour 2, bah, c'est quasiment un Stalouse. Grist, c'est vraiment un des matchs où je suis le moins à l'aise et le moins content de rencontrer. Tout ce qui est mid-range aussi, normalement, on est pas mal avantagé. On va avoir beaucoup de cartes qui coûtent assez cher en mana. Par exemple, au Rickfest, sur toutes les rondes que j'ai jouées, j'ai pas perdu un match contre un deck bleu. Quoi. J'ai perdu un coup contre Yoshimaru, j'ai fait une paire de draws. Quand la méta se goupille bien, le deck peut vraiment aller loin dans les tournois. Est-ce que toi, t'aurais une autre optique qui te semblerait intéressante, mais toujours un petit peu moins bien que ce que tu as actuellement? Bah, j'avais pensé à coter un peu tout l'aspect contrôle combo et jouer les vols justement dans un deck avec plein d'alpha mana, plein de créatures, quelque chose comme 40 bêtes, 20 tutors, et essayer des combos un peu débiles dans les couleurs. Je pense que le vol, c'est soit full contrôle, soit full aggro. Parce que en gros, le deck a beaucoup de facettes différentes, beaucoup de parties de deck différentes. En fait, si on pioche pas les bonnes parties quand il faut, ça va être un peu compliqué. Alors que si t'as vraiment tout dans le même plan, je pense que le deck sera beaucoup plus performant. Comment tu vois le futur du général? Je pense pas que ça va être banni. C'est un général qui est banni en EDH multi. Ça peut amener à des états de partie un peu compliqués. C'est pareil, il faut se rappeler énormément de triggers, énormément que l'autre ne doit pas piocher. Enfin, c'est quand même un peu compliqué à jouer des deux côtés, et contre et avec. Je pense pas qu'il va être banni parce que c'est quand même une part très légère du field. Après, peut-être qu'il sera un peu moins bien si on a Raffine qui est banni, parce que du coup c'est un prédateur naturel au deck Raffine. J'aimerais bien parler un petit peu, si tu n'y vois pas d'inconvénient, de la partie budget. Passer le deck en mode budget, c'est possible. De toute façon, on peut faire ça un peu avec tous les decks. C'est juste qu'il va sans doute perdre de la consistance et de l'efficacité. On peut mettre pas mal de tapland à la place des bilans pour réduire drastiquement le coût du deck. Et qu'il n'y a pas énormément de cartes qui valent hyper cher. Quand même les remplacer par des effets similaires mais moins forts. Le deck perdra juste un petit peu en consistance et en power card, mais pourra toujours tourner comme il faut. Bon, c'est faisable. Eh bien, merci Alexandre en tout cas pour ces explications, nous avoir permis de percer un petit peu les mystères de ton deck. Si avec tout ça les gens ont tout de même des questions à te poser, ils peuvent bien entendu le faire en description de cette vidéo, mais y a-t-il des moyens supplémentaires pour te parler ?
Eh bien, je ne suis pas présent sur les réseaux, malheureusement. Mais ouais, n'hésitez pas à poser les questions dans la description de la vidéo. Je me ferai une joie d'y répondre, il n'y a pas de souci. Je pense avoir discuté de tout dans cette vidéo. Merci encore une fois, Alexandre, d'être passé sur la chaîne des chroniques pour nous expliquer ton deck. Ça me fait très plaisir que tu aies accepté mon invitation. Ben, merci à toi, tout plaisir est pour moi. C'est toujours cool d'être sollicité. Si ça peut aider la communauté à avancer, ben, encore mieux, quoi. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo si vous souhaitez un général ou une stratégie en particulier dans une deck tech. Et on fera le nécessaire pour vous la présenter, si vous êtes nombreux à la demander. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à la partager et à mettre des pouces bleus ou rouges pour nous donner votre avis sur cette deck tech. On se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle fois, merci encore Alexandre, et qui sait, peut-être aurai-je l'occasion et le grand plaisir de te revoir à nouveau sur la chaîne. Eh ben super, rendez-vous bientôt alors. Rendez-vous bientôt, passez une très bonne journée. Et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous. À bientôt sur la chaîne. Et merci à tous.